Hello tout le monde, c'est Mel2jeu, on se retrouve pour un nouvel épisode de New Super Mario Bros. 2. Et on va se lancer dans le monde 5, c'est parti, let's go. Comme le dit très bien notre cher et gros Mario, ouais parce qu'il est gros Mario. Allez, on arrive dans un niveau avec des cordes, ça saute, ça rebondit. Toi tu... Viens là, voilà, donne-moi du power-up. Ah, c'est peut-être l'autre alors qui a du power-up. On commence bien. C'est pas grave, j'ai 203 vies, alors je m'en fous de perdre une vie. Mais concrètement, ça me passe par-dessus la tête. Allez, donne-moi le champi, la fleur, merci. Et donc on va essayer de taper ça. Alors, ici. Non, c'est pas celui-là, là. Ça doit être l'autre. On tombe pas dans le vide. Voilà. Enfin, merci. Alors là, juste au-dessus, on a une pièce. Clac! Voilà, la première pièce, elle est là, elle est bien. Alors on esquive tout cet écart, et là, on se fait plaisir si on veut récupérer des pièces. Voilà, tranquille. Oh. On revient là. Clac! Le petit checkpoint qui va bien, et là, il faut se laisser tomber. Wow. Oh, je suis tombé, j'ai récupéré la pièce, tant mieux. On se barre, ah oui. C'est là-haut qu'il faut aller. Rendez-vous là-haut! Allez! Voilà, très bien, parce qu'ici nous avons une plante qui va nous permettre d'arriver dans cet endroit top secret. Alors ici, je crois que c'est... Ouais, c'est bien des pièces. Hein. J'avais plus le souvenir, mais c'est ça. Allez, ouais. Là, on récupère la pièce. Si on veut se faire plaisir, on continue de les taper. Oh, quoique, on va pas se prendre la tête. J'ai juste récupéré un maximum de pièces. Allez, donne les pièces. Et bon, on va faire une attaque rodéo. Clac. Ok. Donc là on a toutes les pièces. On peut rentrer au bercail. On peut taper la fin. Oh, 10 pièces, super. Et le haut du mât. Tranquille. Alors j'ai commencé avec 203 vies. 206. 204 vies je crois j'ai commencé parce que j'en ai perdu une. Mais c'est good. Le 5-1 est terminé. Alors dans cet épisode là il va y avoir pas mal de sorties secrètes à faire. Notamment dans ce niveau là. Ouais, il y a une sortie secrète à faire dans ce niveau là. Alors ce qui serait cool pour les prochaines fois, je parle pour Nintendo en tout cas, ce serait qu'ils notifient dans leur niveau qu'il y a des sorties. Oh, qu'il y a des sorties secrètes. Parce que franchement, fallait savoir qu'il y a une sortie secrète dans ce niveau. Hop là, tac, tac, tac. Bon, on s'en fiche. Par ailleurs. Hein. Hop. Là, on rebondit, on se met là, on tape ça, et ouais. Il fallait savoir aussi que c'était dans un endroit comme celui-ci qu'il y avait un autre passage pour une sortie secrète. Je vais vous la montrer. Hop là. Juste là. Allez, vas-y, tape bien. Voilà. Il y a une autre fleur. Enfin, une plante. Mais la plante ne nous emmène pas dans un autre endroit. On reste dans la même page, on va dire. Et on continue d'avancer. Clac. Et voilà. Sortie secrète. Donc ouais, je disais, ce serait bien qu'ils notifient sur les niveaux qu'il y ait des sorties secrètes. Comme il y avait sur Super Mario World à l'époque où les pastilles étaient rouges quand il y avait une sortie secrète et jaunes quand il n'y en avait pas. Ça, c'était vraiment sympa. Donc là, on a débloqué une maison fantôme qu'on fera juste avant le donjon. Parce qu'il y a une sortie secrète aussi dans le château. Dans... Ah oui, alors là, tac. Clac. J'ai pas besoin de récupérer la fleur, ça ne m'intéresse pas. Oh, tu bouges toi. Voilà, merci. J'aurais peut-être dû le sauter dessus avant. Bon, c'est pas grave. Hop, on descend. Tu me donnes des pièces, c'est bien. Ah, je t'ai pas tapé à temps. Bon, c'est pas grave. Continue d'avancer par là. Clac. Un petit peu plus loin, on va tomber sur une plante qui me bouffe le cul. La première pièce. Une étoile. Viens là, toi. Hop. Voilà. Et là, on va taper le P. On va suivre les pièces bleues. Tac. Yes. Et on a un tuyau au sommet du niveau. Et dans ce niveau, on va se faire aussi plaisir avec les pièces. Allez, go, mon pote. Ah, il en a pas tapé un. Vas-y, tape-le. Ouais. Ok, ça c'est fait.
plein de pièces. Ah, c'est vrai que je peux pas prendre les tuyaux et les carapaces. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, on a deux pièces. Il nous en manque une. Le petit checkpoint qui va bien. Allez, viens là, mon petit. Like tu. Voilà. Je récupère ton nuage. Oh, le champi, j'en veux pas. Tac. Viens. Je te. Oh, attends, on va prendre la fleur. Allez, viens là. Ok, c'est bon. J'ai réussi à l'avoir. Dommage parce que j'aurais voulu taper les deux. Parce qu'il me donne beaucoup de pièces si j'arrive à les taper les deux là. Bon, on va me prendre la hauteur de toute façon. Espérant que le nuage tienne le coup. Parce qu'il faut prendre ce tuyau. Ok. Parce que dans ce tuyau, il y a aussi la dernière pièce. Allez, viens. Ah, oh, ils se barrent, les salopards. Ah, ils reviennent. Ok. Attendez, les gars. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Ok. Bon. Ah, d'accord. Tu veux jouer à ça? On va jouer ensemble. Mais vas-y, tu vas te calmer. Redonne-moi ça. On reprend le tuyau. Là, à tous les coups, je vais me faire toucher, hein, tu vas voir. Et viens là, le like tu. Voilà. Alors ça, je l'ai dit, c'était sûr. Mon Dieu. Bon, on recommence. Tac, tac, vas-y, viens. Voilà. Là, par contre, peu importe ce que tu me donnes, je prends. Ouais, non, j'aurais aimé un power-up quand même. Tant pis, on va faire avec. Alors toi, vas-y, viens. Tac, 20 pièces, ça fait du bien. Et je vais retaper un autre, parce qu'il y en a un autre normalement dans le coin. Voilà, il y en a un là. Vas-y, tape-le. Ouais, yes. Vous avez vu, 50 pièces, ça fait plaisir. Alors, on va essayer de prendre les pièces rouges. Ok, c'est bon. Donne-moi du power-up. Voilà. Et maintenant, on peut prendre le tuyau. Et on va aller enfin récupérer cette dernière pièce. Allez, viens là, toi. Viens là, viens là, viens là. Voilà. C'est qui le patron? Voilà, 20 pièces. Tac. 20 pièces plus 1-up. Et toi? Voilà, 20 pièces encore. Merci. Maintenant que c'est fait, on peut se laisser tomber. Et voilà. On arrive direct à la fin du niveau. Super. Alors par contre, j'ai vraiment... fail lamentablement sur le like qui tue, mais c'est pas grave. Vu que le niveau est maintenant terminé. Next. Ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas, le manoir, on le fera après. Juste après ce niveau-là, d'ailleurs. Et là, ça va être un niveau assez fun, parce qu'on va être projeté par les tuyaux. Et en plus de ça, on a la possibilité de se faire masse de pièces. Hop. Voilà. Tac, on se laisse glisser. On continue de se faire glisser. On récupère plein de pièces là. On va prendre ce tuyau là. Tuyau tout à droite. Pour pouvoir avoir accès à cette pièce là. Ok. On va reprendre ce tuyau. Tuyau de gauche. Pour récupérer. Bon, les pièces rouges. Qu'on s'en moque un petit peu beaucoup. Maintenant le tuyau du centre. On fait gaffe à ça. Voilà. Et juste au-dessus de ça, nous avons un mini champi. Et on fait gaffe parce que comme on le sait, le mini champi, vu que Mario est minuscule, il est très... comment? Il se fait très facilement porter par les airs. Ok. Toi, tu vas bouger. Tu vas donner ça. Tac. Ok, c'est pas con ça. Un peu très con, mais c'est bon. Donne-moi des pièces encore. Masse de pièces, masse de pièces. On va le taper lui. Et il faut prendre le troisième tuyau. Celui-ci. Pour pouvoir avoir accès à la dernière pièce. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à terminer le niveau. Tac, tac, tac. Voilà. Et le niveau est terminé. Avec une petite vie en plus. Et il n'y a pas de sortie secrète dans ce niveau. Hein. Malgré qu'on soit petit. Et qu'il y avait plein de petits tuyaux, il n'y avait pas de sortie secrète. Ok, donc maintenant, avant d'arriver au donjon, nous allons débloquer l'accès par le bas. Oui. Ok. Et ça ne m'intéresse pas de se regarder parce que moi, je veux faire le manoir. Et dans le manoir, sortie simple, sortie secrète.
Tu m'embêtes pas. Moi, je veux ce power-up là, qui est fort utile. Il faut faire attention dans ce manoir parce que les escaliers se barrent. Et je me suis fait avoir. Bon, ça va, il m'a pas fait perdre. Comment ? Mon power-up, mais quand même. Alors, on descend par là. Voilà, parce que là, on a une pièce. Clac. Si. C'est très aimable. Très aimable. Ok, et donc là ça se balance. Là-haut on n'a pas besoin de monter parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Par contre, ici on a quelque chose d'intéressant. Donc on va monter. La petite pièce là. Là, 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 là. Pour récupérer la grosse pièce. On n'est pas obligé de prendre les petites pièces. Hein, mais c'est du bonus. Ok, alors. Toc, on y va. Ici on va monter aussi. Allez Mario. Allez. Voilà, super. Attention aux escaliers qui tombent. Wow. Voilà, la dernière pièce est là. On descend. On descend. Tu me diras, on n'a pas besoin de monter. On va juste prendre cette porte là. Et on arrive. Ah, c'est vrai qu'il y a encore ça. J'allais dire, on arrive à la fin du niveau, mais non, pas encore. Donc là, on va voler parce qu'on peut. Donc on le fait. Voilà, et on arrive à la porte. Plutôt easy. Et là, par contre, on arrive à la fin. Et là, on peut voler encore, hein, pour arriver en haut du mât. Cool. Yes, si tu veux. Et du coup, on va devoir se le refaire pour avoir la sortie secrète. Qui va nous débloquer l'accès à un niveau fort sympathique, mais le niveau fort sympathique on le fera pas maintenant. Parce que après la sortie secrète du manoir, on va faire le donjon et on s'arrêtera là pour cet épisode là. Alors, là mon ami, wow, c'est tes limites. Je vais d'ailleurs reprendre ce power-up là, ce que je préfère. Ok. Wow. Faut vraiment que je fasse gaffe à ces trucs là. Parce que ça c'est de la vermine. Oh. Doucement, doucement, tombe pas dans le vide bêtement. Voilà. Et j'ai fait le con. Sortie secrète était juste avant. Non mais, hé hey, revenir à la carte. Ok, pas annulé. La sortie secrète était juste avant la porte. Et dans un élan de précipitation, j'ai pris la porte. On va recommencer, c'est pas... De toute façon, c'est pas bien loin. Par contre, ouais, du coup, j'avais plus mon power-up dans la boîte. Vas-y, les escaliers, là. Voilà. Vous voyez, en haut, il y a un truc. Il y a un truc, là-haut. Allez. Allez. Voilà. La petite plante qui va bien. Qui nous mène... Oh, non, mais sans déconner. Les escaliers, c'est pas cool, ça. Ok. Ok. Et voici une porte. La rigueur, j'aurais pu y aller aussi en volant, si j'avais eu assez d'élan. Mais bon, voilà. Donc là, par contre, on va taper comme des bourrins ici. Le bloc à gauche, c'est un power-up. Voilà. Si on le veut, on peut le prendre pour avoir des points en plus. Voilà, 1000 points. Et on y va. Garou. Dégagez. Allez, accroche-toi, Mario. Là, on se fait la blinde de pièces. Ok. On tape le bloc, enfin le switch. Et on va prendre la porte qui avait derrière le gros bout. Parce que les autres portes sont des fakes. Et voilà, on arrive ici. Doucement, on va pas se faire péter le power-up quand même. Ok. Yay. Et voilà la sortie secrète. Right. Maintenant on est parti pour le donjon. Donc le chemin ça nous mène au bateau qui a bateau doré qui est là-bas. Un niveau très sympathique qu'on fera au prochain épisode. Alors, je vais débloquer l'accès ici. Yes. Merci. Je ne veux pas sauvegarder, merci. Et je vais débloquer l'accès aussi par là. Et bien évidemment, je ne veux pas sauvegarder. Ok, c'est parti pour ce niveau. Et donc là, ça va être un niveau scrolling vertical. Donc il va falloir faire gaffe. Donc là, je suis full power-up, donc on n'est pas obligé de taper le bloc pour récupérer un power-up vu qu'on est déjà full.
qu'on a la queue du raton laveur, on peut se permettre de faire des folies en termes de déplacement. Même si là, pour le coup, on peut pas se déplacer bien plus loin puisqu'il y a des pics. Là, il y a des flammes, donc faut faire gaffe. Donc on a une première pièce, logiquement, hop, à droite. Voilà. Première pièce, ça c'est fait. Oh! Allez! Donc là, on a des flammes constantes. Faire attention. Ok. Clac. Pièce rouge, on sort. Moque. Ah là là, ça c'était bête. Ça c'était bête. Je m'attendais à pouvoir monter rapidement, mais non. Pas grave, on reprend le power-up. Sûrement qu'un petit peu. Ouais, oui, juste après il y a le checkpoint. Normalement, je devrais pouvoir récupérer un autre power-up. Voilà. Super. Ok. On fonce pas comme des bourrins, on attend. Alors vous voyez qu'il y a un accès avec un petit tuyau. C'est juste pour avoir un petit bonus de pièces. C'est pas... c'est pas la folie quoi. Ok, toi tu t'en vas, tu me laisses passer. Alors ça je vais le prendre. Parce que c'est pour avoir des pièces en plus. Avant que la lave n'arrive vers moi, voilà, très bien. Yeah, right. Alors là, par contre, on a une pièce. C'est pas grave. J'aurais pu y avoir accès. Oh, mais non, là, je suis pas d'accord. Je me suis pas accroché. Je me suis pas accroché. Ah. Pas grave. Ça fait durer l'épisode. Allez, reprends ton power-up avant de taper le bloc. Voilà. Et ok. On est good. Si je tombe tout le temps dans la lave, c'est pas grave parce que je garde au moins mon... ma queue de raton laveur dans la poche. Ok, on vole. Ouais. Ah ouais, c'était vachement utile de voler. Merci. Bon, on va essayer de le faire sans le costume. Ça risque d'être un peu difficile, mais il y a moyen. Ah mais hé hey. Voilà, tac. On va reprendre ça. Ça me fait un tech damage en plus. Ok. Tac. Voilà. Donc là on a... je vois vraiment pas comment on peut faire sans se faire toucher, mais bon. Dégage. De toute façon il faut aller à gauche là. Je vais quand même récupérer le power-up. Voilà. Ok. Mais what? Ok. C'est pas comme dans Super Mario World où vous pouvez avancer à fond vers la gauche ou à droite et au final vous restez sur la grille, hein. Non. Là tu tombes vraiment. Bon bah du coup là j'ai vraiment plus de power-up. Donc il va falloir faire attention et il va falloir que j'arrête de faire le con aussi parce que sinon on va perdre plus de vie qu'on en gagne. Ça va être difficile mais y a moyen hein, si on fait pas attention. Allez grimpe. Ce qui est con c'est que la lave une fois qu'on s'est agrippé à ça remonte super vite. On aura beau essayer d'aller le plus vite possible pour récupérer ça, la lave monte tout aussi vite. On peut rien faire. Voilà. Tac. Tac. Alors je vais essayer de la faire autrement. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'agripper? Ah bah voilà. J'ai jamais essayé de le faire comme ça. C'est quand même plus sympa. Ok. Donc là par contre il faut passer à gauche comme je l'ai dit. Comme j'ai dit tout à l'heure. Bah, on se concentre. Okay. Là on peut se laisser monter parce qu'on va arriver vers la porte du boss. Ok. Et donc là bah heureusement on a un petit champignon de recours. Et à droite on a juste une pièce. Et la lave s'arrête juste là. Ok. Un peu plus et je perdais encore une vie hein. T'es pas tout à fait d'accord moi. Alors quand on a le costume de Tanuki, ce boss là est pété. Il est vraiment pété. Et quand on ne l'a pas, eh ben on fait avec. Voilà, alors là il va s'énerver. Voilà. Bon il est pété quand même, hein, même sans le costume, mais bon. Vaincu mon ami, vaincu. Tu ne peux rien contre moi. Et dans le donjon par contre il n'y a pas de sortie secrète. En même temps je vois mal où est-ce qu'on pourrait avoir un chemin d'une sortie secrète, mais bon. Et là, je suis d'accord, on sauvegarde. Yes!
Et nous, on s'arrête là pour cet épisode, les amis. Donc du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye.